J'ai passé mon temps à contredire ce que je croyais être mes standards, mon genre, comme on dit. La femme parfaite, elle le devient. Et puis elle est perfectionnée par les sentiments qu'on a pour elle. Je pense beaucoup à toi, depuis que je t'ai revue. Je voudrais vous parler un peu du bonheur que j'éprouve à vous aimer. Parfois, on se dit j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de le dire, mais c'est tellement agréable de dire quelque chose quand on le pense. Après, il est arrivé de ne pas le penser longtemps. Et ça, c'est cruel et culpabilisant. Envisager ma religion. Je sais que c'est peine perdue, mais je m'accroche à cette souffrance romantique qui me fait oublier la douleur physique et la peur panique. On ne décide pas de ressentir, on ressent ce qu'on peut. Forgive and forget. Envie de mourir, pareil. Ça, je sais pas si c'est fou. Moi, je trouve que c'est pas fou, au contraire, c'est très rationnel. Il est arrivé d'écrire des lettres d'excuses à des amoureuses que je n'avais pas vues depuis 5 ou 6 ans. Il l'aimait. Et pourtant... Je ne vous aime pas, cependant je vous aime. Vous me comprenez ?